peut-être revenir sur quelques expériences de tournage parce que tu as travaillé avec des gens qui ont des modes de travail à fort différents donc ça implique chaque fois j'imagine aussi de s'adapter de trouver une façon de collaborer au mieux voilà je préfère le mot collaborer que s'adapter collaborer. <laughs> Donc, discuter et collaborer. Voilà, oui, mais la, donc, la voilà, discussion, donc, ça différent... fait partie de la collaboration. Absolument. Donc il y a différentes modes de collaboration. Donc peut-être qu'on peut revenir sur quelques euh, cas de figures. Donc par exemple, si, si on si on prend ton euh, travail sur euh, Smoking ou Smoking mm. de René, il y a quand même un certain nombre de contraintes préalables au tournage contrainte pas euh... n'est contraint, c'est pas le terme que tu voilà, as Voilà, exactement c'est pas le de choix c'est des, des choix il y a des choix <laughs> oui, il y a des choix mais qui sont très spécifiques absolument donc oui. il, y a, il y a tout un travail de euh, mm -hmm. mise en place qui passe aussi par mm -hmm. euh, des décors travail spécifique d'éclairage mm -hmm. mm -hmm. euh, oui, oui, je... et, et ce qui implique après aussi des effets euh, par rapport au jeu des acteurs, parce qu'évidemment, ils se situent mmh. dans, dans cet espace-là et pas mmh. dans un autre. Donc, comment, comment la collaboration se noue-t-elle dans mmh. ce premier cas de figure enfin, on est oui, alors, le, le cas de Smoky No Smoky, c'est quand même un, un cas exceptionnel, mmh. dans la mesure que le projet, c'était de deux de films. On rentre pas trop dans les détails, mais grosso modo, c'était deux films qui se passait en extérieur, mais que pour toute une série de raisons, il euh, euh, pourrait se tourner que dans, 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 dans des studios. Mm. Alors les raisons, ils sont, ils sont des raisons classiques. Je dis pourquoi on tourne en studio, c'est parce que on peut tout contrôler. On part de, de on part du noir. Hein? On part du noir. On fabrique des décors. Euh, 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 on fabrique de la lumière, avec des, on met des comédiens et on tourne. Hein, C'est à peu près ça, la, la, la dynamique du, du studio. Voilà. Et, et, et avec des avantages évidents qui sont ceux qu'on contrôle tout. Quoi. Je dis on contrôle la météo, on, 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 on les horaires. Euh, on a quand même une, une énorme liberté de ce point de vue-là. Alors, c'est peut-être là qu'intervient le mot contrainte, c'est-à-dire que, le, que le, <coughs> le pari du studio mm -hmm. il y a toute une série d'implications qu'il faut savoir à peu près qu'est-ce qu'on veut en faire. Alors, dans le cas spécifique de Smoking on Smoking, Alain René, et est à ce rapport entre entre quelque chose d'extrêmement de réaliste, mais que... Tout à coup, tu dis, attends, où est-ce qu'on est là Comme voilà. Lui, c'était son rêve de... D'osciller de, 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 entre un réalisme et puis tout à coup la, la, la reconnaissance d'une artificialité. De l'artificialité. Alors, c'est vrai que <coughs> on a fait des... Il de, y avait des découvertes dans, 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 dans Smoking, dans Smoking, des enfin, découvertes, des plans euh, avec toute une partie de maquettes et tout, qu'ils étaient... Euh, 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 et quand on les voyait, je disais, mais, mais est-ce que c'est vrai ou, ou pas En tout cas, on se pose le problème. Et puis on fait un panoramique, on arrive sur un fond peint, quoi. Je dis mais ça, on peut le faire aussi si on part du réel on fait un panoramique, on arrive sur un fond peint. Sauf que là, c'était organisé, cohérent avec le projet. <coughs> Cette artificialité, lui, c'était son truc, quoi. Je dis. voilà, grosso modo, c'était ça la, 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 la d'attaque du film, en tout cas. Moi. Et puis à l'intérieur de ça, il y avait des, 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 des alors contraintes pour Alain, c'est-à-dire de tourner un film avec des temps, un plan de travail déterminé. Alain, je me souviens qu'il était très. Bon, moi, c'était le premier film que je faisais avec lui. Alors, je, je t'avoue que, que j'étais mort de peur, euh, surtout de parler avec un monsieur de cette stature-là, de tout point de vue d'ailleurs aussi. Hein. <coughs> Qui qui, qui qui parlait d'une façon absolument calme et précise, qui, 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 euh, qui comme moi, c'est surtout comme il parlait qui m'impressionnait beaucoup, parce qu'il parlait des gens français que, que moi, je pense, français de goût lui, c'est, 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 il, il terminait ses phrases, et c'est un bombe atomique qui explosait derrière, à la fin de la phrase, il se retournait, quoi, Il dis, il avait un rapport à la langue française qui me fascinait, quoi, et je, le premier jour, j'étais muet, j'étais paralysé de... Et puis après, je me suis aperçu que c'était une personne en fait, qui avait une disponibilité avec laquelle on pouvait parler de tout sans aucun problème. Bref, avec lui, c'est vrai que j'ai eu un rapport qui, qui m'a vraiment beaucoup intrigué, beaucoup intéressé. On était vraiment prêts. Donc, du coup, je suis rentré dans le film d'une façon quand même un, un peu exceptionnelle, dans la mesure que, que, par exemple, on avait le studio, les décors. D'abord, ils étaient des maquettes. Jacques a fabriqué des maquettes. Jacques Saunière, je le connaissais pas. Bonjour, bonjour. Oui, on voir les maquettes. Oui, d'accord, tu viens voir les maquettes. Ah. Ils étaient fabriqués, mais avec une méticularité. Comment dire Très méticuleux. Comment dire Méticularité. Méticuleuxité. Oh. oh là là, c'est trop difficile. <laughs> tu vois le français que... ouais. avec un qui allait au monde. <laughs> Bref, et, et, et lui rigolait dans ces cas-là. Au contraire, il, était, il faisait même des plaisanteries en italien. Enfin bref, et, et hum, ah, j'ai vu ces maquettes, mais, mais c'est complètement incroyable. Je voyais, c'était vraiment un chef-d'œuvre et tout. Et puis en, di en dialoguant un peu avec lui, je me suis dit, mais tiens, euh, 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 ah, oui, j'essaie de m'imaginer un peu comment on pourrait éclairer ça. D'autant plus que les éclairages, c'était des éclairages apparemment, enfin du point de vue photographique, extrêmement simples. C'est-à-dire qu'il y avait du soleil du soleil avec les, un peu de nuages, euh, 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 des nuages, euh, la neige. Enfin, c'était très simple. Je dis, c'était la météo, quoi, je dis. Et, et voilà. Donc, sauf que les réaliser, pour nous, c'était pas aussi simple que ça. Première chose. Deuxième chose, il fallait faire ça dans des limites de temps quand même assez serrées. Alors, comment on fait Je dis, attendez, il faut réfléchir. Euh, 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 Est-ce que ces maquettes, sont précises Jackson, il me dit, ah ben oui, ils sont très précis. Il ouais. dit, mais si mais on, on, on met un projecteur ici, l'arbre qui est là, c'est sûr qu'il est là. A... Non, non, mais euh, à 5 cm près, mais... oui, 5 cm près. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, j'ai dit, mais si je mets un soleil ici, ça marchera. Oui, 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 ça ne marche pas. Le problème, c'est que le soleil que je peux mettre, par exemple, les discussions qu'il y avait, le soleil que je peux mettre ici, il n'est pas assez puissant pour couvrir toute cette surface-là. Je dois en mettre un autre projecteur à côté. Alors, sur mes deux projecteurs, à un certain moment, ils se croisent les deux projecteurs. Il y a des doubles ombres. Hein? Mmh, mmh. Donc, mais des doubles ombres-là. Et puis je dis, mais attendez, Jacques, est-ce que, est que, si nous on déplace un tout petit peu cet arbre ici de telle façon que il nous permette de, de confondre les, 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 les feuillages qui nous permettent de confondre le, 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 le double ombre et tout est-ce que c'est possible alors il pensait un peu parce que c'était pas toujours simple avec Jacques mais je mets beaucoup, hein, que ce soit clair ah ben oui, attendez, oui, oui, alors attends, je fais l'arbre comme ça et tout bref, il y a un dialogue entre les deux et que naturellement on, 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 on en parlait à Alain aussi de ce dialogue et du coup, c'était quelque chose d'extrêmement de, 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 de jouissif. Je dis, c'était quelque chose. En plus, le producteur et le directeur de production, ils ont, ils ont, ils ont joué le jeu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont été faits euh, 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 tournant des intérieurs, euh, 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 des extérieurs en, 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 en fait enfin, en studio. Donc, euh, il y avait quand même une entreprise qui était un peu euh, oui. hasardeuse. Quoi, Mais le producteur elle était très disponible. Et alors, il s'agissait de trouver des solutions pour tourner dans des temps relativement courts. Et j'ai fait une proposition euh, avec Alain et le producteur. J'ai dit écoutez, on peut mettre tout sur ordinateur. C'était des ordinateurs pas comme ça. Hein, c'était le début des ordinateurs. Quand on a commencé le, au cinéma, c'était des, des engins assez compliqués. Enfin, bref. Et, et je dis, nous, là, on c'est qu'on peut mettre tout sur ordinateur, et, 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 et on évite, par exemple, de peindre, par exemple, de peindre des ciels, les ciels de jour, les ciels nuageux, les ciels de nuit, euh, 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 normalement. On fait un ciel de jour qui est un peu plus clair, le ciel de nuit, on densifie et tout ça. Je dis, si on pose les ciels à cette distance-là des décors, moi je peux les éclairer de là, d'en bas et d'en haut, enfin bref, faire toute une technique, et, et ma condition de, de faire le même film, enfin que le décorateur, il joue le même jeu que moi, qu'Alain, il est d'accord, et que le producteur aussi. Et du coup, on a mis en place tout un système technique, des choix techniques. Tout choix technique, ils ont toute une série d'implications. On peut jamais faire des choix. Moi, je ne peux pas faire des choix tout seul. Hein? Et ce dialogue-là, c'est quand même quelque chose d'essentiel. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et alors, du coup, on a mis en place tout un système tel qui nous permettait de tourner, de faire des équipements, hein? installer des projecteurs, mais gigantesques partout. Hein? Mais le chef électrique, quand on tournait avec Alain, qu'il fallait allumer le soleil et le ciel, il y avait le chef électricien qui faisait pli, plic, plic. Il y avait des quantités gigantesques de lumière. Paf, mais La lumière était faite, quoi. Et donc, du coup, il y avait le tournage il y avait un électricien, deux électriciens grand maximum et deux machinistes grand maximum pendant le tournage. Par contre, il y avait des grosses équipes pour, pour installer tout ce matériel. On avait, on avait trois plateaux vraiment très, très grands. Et il y a un film ici, si vous voulez, je peux vous montrer peut-être pas maintenant, où, où on voit toutes ces installations euh, qu'on a faites. Et après, il y a les acteurs là-dedans. Puis... Voilà. <laughs> Et alors, ah, alors un... les acteurs, c'était encore, encore quelque chose. Alors là, il y a eu aussi quelque chose d'absolument phénoménal, rarissime. En général, les décors, ils sont toujours prêts à filmer. <laughs> Le jour même, on commence à 8 heures du matin, le, 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 ils sont en train de peindre les derniers trucs encore, et encore des échelles, retoucher certains trucs. Jacques Saunier, trois semaines avant de tourner, il m'a dit Tiens, ça c'est les clés du studio, tu te démerdes. <laughs> Je me souviens toujours quand il m'a dit ça, hein? j'ai dit Jacques, merci <laughs> J'ai dit C'est à toi de jouer maintenant. Et il a été vraiment très bien, formidable. Et, et bref. Et pourquoi trois semaines avant C'est parce qu'Alain l'a demandé de répéter dans le studio trois semaines avant. Il avait déjà répété avec les comédiens dans un, un espace où il avait marqué par terre tous les déplacements des comédiens, enfin, pratiquement toute la partie euh, 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 de chaque épisode, enfin de chaque euh, acte, chaque scène, de chaque scène pratiquement euh, euh, du film. Il, il, a, il a mis des tracés du jardin, des trucs comme ça. Et, et, et donc, ils avaient déjà un peu répété sur place, là, pour organiser les, les dialogues, les, les, les temps. Et, et, mais après, on a demandé aussi des répétitions, et on a fait en tout cas trois semaines de répétitions avec les comédiens dans des décors finis. Et les décors finis, ce n'était pas seulement le décor qui était là et tout, il y avait de l'herbe, de la vraie herbe. Alors, je ne sais pas si tu vois un peu ce que ça implique, avoir de la vraie herbe. Euh, dans un plateau. Avec euh, un éclairage au plus Voilà, <laughs> nous, le soir, nous on partait, il y avait des, 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 des lampes, euh, lumière du jour euh, et tout, qui, 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 qui éclairaient l'herbe. Tu vois, je dire, parce qu'autrement l'herbe elle mourrait quoi. Je dis, c'était un truc de fou, quoi. Et, et, et bref, euh, alors il y avait l'herbe et tout, puis on était là avec un hein. Nous on avait prévu de tourner tout. On n'avait pas prévu qu'on ne pouvait pas rentrer dans l'herbe, enfin que. Si toute l'équipe rentrait dans l'herbe, ça été. Euh, voilà, Qu'est-ce qu qu'on fait là Ben oui, là, il faut qu'on trouve des systèmes et tout. Et là, ça s'est posé toute une série de, de, de problèmes qui nous ont organisé les plans, la prise de vue, les, les, on voulait tourner avec des focales fixes. Et là, finalement, on a décidé de tourner avec des zooms parce qu'on s'apercevait qu'on ne pouvait pas mettre la caméra partout. Enfin, pas toujours parce que des fois on démontait une grande partie là où on va bien dans, dans, dans le truc qu'on a tourné certainement on démontait quand même des parties du décor mais surtout quand on arrivait vers la fin on pourrait tourner des plans que de toute façon il allait démolir et du coup euh, on pourrait virer l'herbe par exemple virer certaines parties du décor voilà donc il y avait tout un Bref, euh, 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 on a opéré des choix avec le décorateur extrêmement importants, d'abord sur une maquette et puis en vrai. Après, après, mmh. En faisant toute une série d'essais, par exemple, en tournant toute une série d'essais. Chose qu'aujourd'hui, on ne fait plus, même fois de plus, on ne fait plus. Pas parce qu'il n'y a pas cette exigence, on ne fait plus par inertie, parce, parce que ça ne se fait plus. Ah bon, d'accord, très bien, on ne fait plus, ben bah oui, faisons plus. Et ça, c'est une tragédie. Tragédie. Et est-ce que, euh, enfin, avec euh, Philippe Garel, vous tournez encore en pellicule, Sophia? Oui. Est-ce que ça, ça change quelque chose euh, par rapport oui. à cette inertie ou... Je vois qu'est-ce qu'il y a derrière votre question. Alors, c'est compliqué ça. C'est-à-dire que la disparition, pratiquement la, la, la pellicule avec le numérique, elle a, elle, a, elle, a, elle a eu un coup sec. Maintenant, elle est en train de reprendre un peu. Bon, mais le problème, c'est qu'en France, il, 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 on peut, on, vraiment, le CNC a, a beaucoup de responsables, à mon avis, de, de ça. C'est-à-dire qu'ils sont passés dans le numérique en soutenant les projections numériques, en subventionnant les salles et tout, dans l'espace de quelques mois. Euh, c'est dramatique, quoi, je dis, Ils ont tout viré. Allez, on change de projecteur. Tu vois, ça, sans trop se poser les problèmes, pourquoi, comment et tout, euh, moderne. Ben D'accord. Ça, d'une part. Mais à la, à la prise de vue, ils ont fait à peu près la même chose aussi. C'est-à-dire les labos, wow, ils ont déposé le bilan les uns après les autres, et ils sont tous partis en numérique. Là, pour toute une série de raisons, l'industrie française, elle, elle était toujours un peu... pas très large, je trouve, le... le... Euh, euh comment dire, c'était très difficile les industries techniques de les faire asseoir autour d'une même table, les industries techniques du cinéma, euh, de les faire asseoir autour de la même table, déjà pour pas se faire concurrence bêtement. Alors il y avait une, une, une boîte qui achetait un un un, un, un Ariscan, c'était des machines qui coûtent les yeux de la tête, et bien tous les autres boîtes, ils achetaient Ariscan. Donc, on se retrouve dans une situation complètement absurde. Il y avait plus d'Ariscan à, à Paris que dans tout le reste de l'Europe. Évidemment, ils se font une concurrence absolument incroyable. Résultat des courses, une faillite derrière l'autre. Enfin, il n'y avait pas une politique un peu plus large, mais parce que chacun cultive son petit potager, euh, regarde qu'est-ce qu'il fait. Ah oui, tiens, je fais la même chose. Et il n'y a plus moyen de, de, de mettre les gens autour de la même table. Quoi. Donc, d'une part, il y a eu des laboratoires qui se sont fermés un peu trop vite. Et maintenant, les gens, ils se disent, ah, mais la pellicule, René, maintenant, c'est intéressant, il faut, faut faire en pellicule et tout, il y a de plus en plus de monde. Alors tu dis, oui, bon, d'accord, la demande de pellicule et tout. Mais toute l'organisation numérique, elle est déjà très, très lourde, là. Trop lourde. Alors moi, j'ai fait le premier film que j'ai tourné, L'homme des femmes avec Philippe Garel. On a tourné en négatif, Kodak. Double X, noir et blanc. On a tiré des copies de travail en numérique. On a, on a, tourné des, on a tiré des copies de travail en pellicule. Il est passé à la table de montage avec ça. Il montait avec la pellicule, avec une bande son perforée euh, euh, 35 mm, magnétique. Mais c'est pas fait enfin, comme on a toujours fait. Le film, deux ans après, on tourne un autre film, la bande perforée, fini, on ne le fait plus. <laughs> Philippe, il dit, Vincent, qu'est-ce que je fais là tu vois, Je dis, je ne peux plus monter et tout. Ben, il était obligé de, de, de monter en numérique. <laughs> Donc voilà, il euh, commençait en numérique, mais il était obligé. Ah non, mais par contre, on tourne en, toujours en pellicule. Je lui dis, oui, d'accord, très bien, tourne en pellicule. On tourne en pellicule et, et, et on en fait des rushs, mais pas synchrone on ne pourrait plus avoir du son synchrone. Parce que plus de boîte perforée. Alors j'ai dis, on tourne des rushs. Euh, oui, oui, bah, oui, on tourne des rushs, on regardera des rushs, muettes, oui, muettes. <laughs> avec mon projecteur qui avait du son aussi. <laughs> je dis, oui, d'accord, très bien, regardons les rushs muettes. Alors on regarde les rushs muettes. Ah oui, c'est bien, c'est pas bien. Enfin bref, <laughs> il faisait des commentaires sur les rushs muettes. Et après, on le numérique. Ah, oh, mais c'est de la merde, le numérique, c'est pas possible, c'est pas bon et tout. Mais je dis, Philippe, oui, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Ton film, il sortira bien à un moment ou l'autre. Bref, il y avait toujours cette discussion-là. Et, 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 et je dis ça d'une façon très sympathique parce que la discussion, c'était jamais... C'était quand même du sérieux, quoi. Et, et, et on essayait quand même de, de trouver des solutions. Et, et, et bref, donc, euh, on fait un DCP. Enfin, le film, il se tourne. Le négatif, on ne le monte plus. On balance le montage euh, 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 qui est conformé après... Euh, bref euh, sur, sur... on fabrique le numérique euh, le DCP voilà quoi je dis. donc on, on fait l'étalonnage j'ai quand même euh, oh, il faut que le il faut que le film il ressemble le plus possible au, 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 au positif ben, je dis, écoute, euh, très bien. Mais quand même, tu viens en projection avec moi, les talons et Ah Non, 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 non. Je dis, Philippe, je t'en prie, on a des choix, et tu verras qu'on a des choix. Il est freiné des deux pieds. Parce que le numérique, non, je veux pas. Euh... Alors je commençais un peu foutre un peu de sa gueule. Je dis, mais oui, mais ça, c'est des positions religieuses, je disais. Ce n'est pas des positions... Euh, tu vois, je dis, euh, 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 Un peu comme ça. Bref. On va. Euh, Projection, on dit, ah oui. Numérique, hein hum. Mais on peut contraster un peu plus. <laughs> Là, je dis, oui, tu fais pff, comme ça, tu vois. Ah, mais moi, c'est bien, moi j'aime bien. quand c'est plus contrasté On peut aller encore plus. Oui, 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 oui. On peut aller. Tiens, mais c'est formidable, ça, je dis, mais on peut aller encore plus. Je dis, on peut aller jusqu'au tu veux. Je pensais que tu étais contre le numérique. Silence. Je dis, mais attends, je dis, est-ce que tu vois ces noirs-là, mais non, c'est plus les... les les noirs donnés par la pellicule, par le pied de coupe, vois, le, le bas de la, de la pellicule, c'est des noirs numériques. C'est-à-dire qu'on est passé au-delà de ce que la pellicule peut te donner. Et ça, c'est des noirs numériques. Mais non, oui, on peut accepter ça. Ah ben oui, j'aime ça et tout. Bon. Alors du coup, maintenant, lui, il se trouve dans une position schizophrénique Schizophrénie, non, absolument pas. Mais c'est l'espèce de schizophrénie, tu vois, qui se retrouve. Parce que je peux te parler d'autres réalisateurs à ce niveau-là, et, et lui, il ne sait plus très bien. Donc, bref, morale de la fade c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut tourner en pellicule, mais par exemple, Kodak ne fabrique plus des positifs des positifs qu'on qui, qu tire en partant du négatif. fabrique des positifs qu'on tire en partant du, du scan. Du shoot, comme ils disent. Et nous, d'ailleurs... Là, maintenant, je commence un film la semaine prochaine avec lui, avec Philippe, on a déjà tout bien préparé, on a tourné déjà des choses, en... bref, et on a demandé au laboratoire de nous tirer du positif, pardon, ils nous ont regardé comme si on leur demandait euh, 10 kilos de cocaïne, quoi, je dis, vous voulez un positif Ben oui, ah ben, plus personne ne fait des positifs, mais il dit oui, d'accord, très bien, mais Philippe, il veut voir, ben, moi aussi, je dis, moi, quand on tourne un négatif, pourquoi on ne peut plus avoir un positif ah, oh, c'est compliqué. Alors et tout. Je dis, comment c'est compliqué je dis, attendez, je dis, vous soutenez les laboratoires Kodak et tout, soutient de tourner avec pellicule et puis on peut pas. Je dis, je comprends pas. Mais non, on est en plein dedans. un Truc absurde. C'est-à-dire qu'on peut tourner en pellicule, mais on passe tout de suite en numérique. Donc je dis, expliquez-moi quel est le choix sérieux de la pellicule. Ici se greffe dessus un autre discours, qui est un parti, à l'intérieur du numérique pour le cinéma, qui est la conservation. Hein? C'est un peu particulier, la conservation. Alors là, ouh, discussion très longue, euh, euh, liée aux restaurations en particulier. Pas seulement les films qu'on est en train de faire maintenant, mais les, les restaurations. Alors, les restaurations consistent à faire du scan avec les négatifs. Enfin, avec ce qu'on a comme matériel hein, et puis euh, 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 sur la base du scan, enfin, le matériel le plus près de la prise de vue normalement et avec ce, 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 ces scans euh, 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 fa fabriquer des images que bien ils témoigne un peu en tournage quon euh, qui a été fait il y a euh, 50, 70 ans, hein, X années en arrière. Alors là, il y, a, il, y a, il y a un débat. Premièrement, la conservation, qu'est-ce qu'il faut avoir Alors Kodak pousse beaucoup, pas seulement certains fabricants de pellicules, euh, euh, ils poussent beaucoup pour faire ça en pellicule parce qu'ils disent à peu près, euh, euh, la pellicule, c'est quand même le support le plus stable qui existe. Alors, les pellicules les plus stables qui existent, excusez-moi, je dis, mais moi, j'ai vu des pellicules, je peux vous montrer les pellicules qu'ils ont virées, les interpositifs et les internégatifs qu'on avait à l'époque, qui étaient vraiment de qualité absolument immonde, euh, et je cite, et, 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 et qui sont vraiment pas bons, quoi, je dis. Donc, c'est de quel positif, de, 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 de quelle pellicule on, on parle Déjà, ça dépend de ça. Hein? Bon, qui nous garantit qu'ils qu sont de qualité meilleure que ces enterres-là. Ah, mais non, on fait des enterres Je dis, d'accord, très bien. Mais, si on veut être sérieux, il faut faire des sélections, des trois couleurs, et stocker ça en noir et blanc, des sélections qui correspondent au rouge, vert, bleu. Alors là, peut-être, mais dès qu'on parle de ça... Ah ben non, attendez, euh, trois sélections, je dis, ça coûte les yeux de la tête. Mais je dis, ben oui, mais si vous voulez faire les choses sérieusement, faites-les sérieusement en tant faire, Je ne comprends pas, je dis. Bon, non, 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 bon, d'accord, très bien. Mais alors, le numérique, je suis désolé, de dire aujourd'hui, le numérique, euh, 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 c'est mieux. Oui, mais qui nous garantit ça Oui, je dis, oui, mais, mais, mais qui nous garantit que la pellicule est meilleure Sur la base de quoi Aujourd'hui, elle a de moins en moins d'argent, toute la pellicule, c'est... Euh, euh, D'ailleurs, il manque de brillance, à mon avis. À, mon avis. Euh, à cause de ça, c'est parce que l'argent, le bromure d'argent, il y en a de moins en moins. Euh, 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 la qualité, à mon avis, par rapport aux pellicules de l'époque, a quand même descendu. La chaîne complète, hein, la pellicule, le développement de l'époque. Très mauvais pour l'écologie, entre parenthèses. mais Donc, il y a une qualité qui diminue de petit à petit. Mais, il y a les religieux qui disent, ah non, non, non. C'est formidable. Mais il n'y a pas des arguments scientifiques, ni d'un côté, ni de l'autre. Je me dis des fois, peut-être le côté éphémère du cinéma qui est en train de disparaître, c'est peut-être ça la, la meilleure des choses. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, je dis, mais, mais Colisée aussi elle est en train de tomber, les pyramides. Enfin bref, je ne je, je, je sais, sais pas. Mais en tout cas, si on veut garder la pellicule, je ne suis pas sûr. Si on veut garder les images. Euh, 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 d'une façon ou d'une autre, stocker les images qui ne sont pas des images que de cinéma. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est le numérique, mais ni la pellicule. Mmh. Moi, je fais plus confiance au numérique parce qu'on a la chance, avec une petite boîte grande comme ça, de mettre beaucoup d'informations. On en met une ici, une là-bas, une là-bas, une là-bas, en espérant qu'il n'y euh, a pas trop de. de, de, de de dégâts, enfin je sais pas, de temps en temps on recopie, c'est très facile de le recopier. Enfin bref, je pense que c'est plus là-dedans que dans la pellicule. C'est un peu la tendance que j'ai aujourd'hui. D'accord. Est-ce que c'est clair ce que je dis là Oui, oui. Mais c'est pas définitif, hein? je dis, j'insiste bien. Non, je c que l'archivage c'est encore tout un, tout un volet dont on n'a pas fini de, de parler. Mais je vous propose qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup pour euh, cet entretien, en Renato Berta.